Bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de la RMB TV. Nous sommes à votre 18e numéro de notre émission Saine Éducation, présentée par votre ami professeur, par votre ami Thierry Nongom, sous l'invitation de M. Boyan. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Donc avant de commencer, nous allons passer à la régie pour passer nos salutations à l'ensemble des personnes de la RMB, sans oublier nos caméramans qui sont là. Donc nous oublions le temps de développer votre explication. Merci beaucoup, Monsieur Ngom. D'abord, permettez-moi, comme vous l'avez tantôt fait, d'adresser mes salutations à l'ensemble du personnel de la RMB, particulièrement les techniciens qui ne ménagent aucun effort pour que l'émission puisse se dérouler dans les règles de l'art, mais également la réalisatrice et le directeur de la télévision, et aussi bien le directeur des programmes comme le directeur commercial. Je pense aujourd'hui, nous vous avons apporté comme leçon ou comme thème du jour, la concordance de temps et de mode. Oui, c'est cette leçon que nous voulons vous présenter aujourd'hui. D'accord. Donc nous vous laissons le temps de nous expliquer votre exposé. Merci beaucoup. Si on s'intéresse à la notion de concordance de temps, je pense que c'est très important pour que l'élève comprenne le sens, mais également la typologie des verbes qui sont des verbes introducteurs pouvant lui permettre de respecter correctement ce qu'on appelle la concordance des temps. Parce que la concordance de temps ou de mode n'est rien d'autre que le fait de relier le sens du verbe de la principale et celui du verbe de la subordonnée. Et nous avons ce qu'on appelle des verbes introducteurs. Les verbes introducteurs, nous les avons dans la proposition principale. Quand on avait étudié les propositions subordonnées, nous avons essayé d'expliquer que la proposition principale est la proposition mère. Oui. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne sens à la subordonnée. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons plusieurs types de verbes introducteurs, dont chacun, son sens peut influencer sur le temps ou le mode qui doit être employé dans la subordonnée. Donc, nous avons essayé de présenter un tableau de façon schématique pour au moins permettre à celui qui nous suivent ou bien aux élèves qui nous suivent d'avoir une idée beaucoup plus claire, bien plus ou moins claire de ce que nous faisons. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas une leçon qui renvoie à une vérité générale, mais c'est une leçon qui permet de voir clairement ce qui devrait être réellement la concordance de temps. Et ici, nous avons dans la proposition principale des verbes introducteurs qui peuvent être des verbes déclaratifs, des verbes d'opinion, des verbes de volonté ou des verbes de sentiment. Quand on prend le premier cas de figure, c'est-à-dire pour les verbes déclaratifs et les verbes d'opinion, ici, les verbes introducteurs peuvent être employés au présent comme au passé. Et l'accord se fera avec le mode indicatif. Ici, le verbe de la principale est au mode indicatif. Le verbe de la subordonnée doit également être employé au mode indicatif. Pourquoi? Parce que on doit comprendre que les verbes introducteurs sont d'abord des verbes déclaratifs. Dans le groupe des verbes déclaratifs, on a trois catégories de verbes déclaratifs. De façon un peu ramassée ou résumée. Nous avons des verbes déclaratifs qui nous renseignent sur le ton de la voix. Soit la voix s'élève ou bien elle s'abaisse. Quand on dit crier, hurler, vociférer, la voix s'élève, c'est ce que nous avons mentionné ici. Crier, hurler, vociférer. Quand on dit chuchoter, marmonner, balbutier, la voix est à basse. Et au-delà de ces verbes déclaratifs qui nous renseignent sur le ton de la voix, nous avons également d'autres verbes déclaratifs qui nous renseignent sur les relations entre les personnes qui parlent. Nous avons annoncé, nous avons répliqué, nous avons dit, nous avons montré, nous avons juré, nous avons confié, nous avons précisé, nous avons expliqué et nous avons affirmé. Et il y a tant d'autres verbes. Mais quand nous avons ces verbes dans une proposition principale, la subordonnée se met au mode indicatif. En dehors également de ces verbes
qui nous renseignent sur la relation ou les relations entre les personnes qui parlent. Oui. Nous avons des verbes déclaratifs oui. qui nous renseignent sur le moyen ou les moyens de transmission de ce que l'on dit. Ce que l'on dit, d'accord. Nous avons écrire, nous avons envoyé, nous avons expédié, nous avons téléphoné, nous avons faxé, nous avons posté. D'accord. C'est des verbes qui nous renseignent sur le moyen employé pour transmettre ce qui est dit. Ce qui est dit, d'accord. Ces verbes également, quand nous les avons dans une proposition principale, la subordonnée doit impérativement être employée au mode. Au mode indicatif. D'accord. Oui, on le verra dans la seconde partie. En dehors de ces verbes introducteurs, qui sont des verbes déclaratifs et des verbes qui sont des verbes déclaratifs, nous avons des verbes d'opinion. D'opinion. Parce que les verbes d'opinion permettent à celui qui parle de donner un jugement. Ouais. Et ici, on a croire, on a pensé, on a être certain, on a jugé, on a estimé, on a savoir, on a considéré. Ces types de verbes également, quand nous les avons dans une préposition principale, la subordonnée se met au mode indicatif. D'accord, indicatif. En dehors de ces verbes déclaratifs et de ces verbes d'opinion, nous avons d'autres verbes qui sont également des verbes introducteurs, employés souvent dans une proposition principale. D'accord. À la différence des premiers verbes, c'est-à-dire des verbes déclaratifs et des verbes d'opinion, les seconds verbes, une fois employés dans une proposition principale, la subordonnée est automatiquement employée au mode subjonctif. Subjonctif, d'accord. C'est le cas des verbes de volonté. De volonté, On peut avoir dans ce groupe des verbes de volonté, des verbes qui sont des verbes autoritaires. Autoritaire. Et des verbes qui sont des verbes de suggestion. De suggestion, d'accord. Je dis autoritaire, pourquoi? Parce que c'est des verbes qui imposent, qui donnent un ordre. Nous avons le verbe ordonner, imposer, interdire, empêcher, défendre, exiger. Exiger. Parce que ces verbes, on ne peut pas se dérober de l'information ou bien de l'ordre qui est donné. Sinon, automatiquement, il y a une sanction. De sanction. On ne donne pas l'opportunité à celui qui doit exécuter l'ordre, le soin de trouver le ou bien d'interpréter ou bien d'avoir la possibilité de le faire à un moment donné. Il le fait en tenant compte de la volonté de celui qui parle. Alors que pour les verbes de suggestion, comme son nom l'indique, c'est suggérer, c'est souhaiter, permettre, désirer, autoriser, admettre. Quand vous dites par exemple à quelqu'un, je vous autorise à faire telle ou telle autre chose, la personne a la possibilité de faire comme de ne pas faire. Parce qu'il y a une suggestion, vous lui avez laissé une marge de manœuvre dans ce qu'il doit faire. Alors que pour le premier cas de verbe, il n'y a pas de marge de manœuvre qui est donnée à celui qui va exécuter l'ordre. D'accord. Ensuite, nous avons, ou enfin, nous avons ce qu'on appelle les verbes de sentiment. Ce sont également des verbes introducteurs. Lorsque nous les avons dans une proposition principale, la subordonnée également se met au mode subjonctif. Subjonctif, d'accord. Et dans le groupe des verbes de sentiment, nous avons des verbes dont le sentiment est positif et les verbes dont le sentiment est négatif. Et négatif. Dans le premier cas, c'est aimer, adorer, tolérer, accepter, apprécier, chérir, supporter, etc. D'accord. Ici, le sentiment est un sentiment positif. Positif. Ouais. Le sentiment négatif, c'est détester, craindre, haïr, peur, déplorer, etc. Quand nous avons ces types de verbes dans une proposition principale, la subordonnée se met automatiquement au mode subjonctif. Au mode subjonctif. Oui. D'accord. De façon un peu ramassée, je reprends, je dis que la concordance de temps nécessite à ce que l'élève ait une bonne connaissance, une bonne maîtrise des verbes introducteurs. D'accord. Qui, une fois employés dans la proposition principale, peuvent entraîner l'emploi du mode subjonctif ou du mode indicatif dans la subordonnée. Pour les verbes qui introduisent dans la subordonnée l'emploi du mode indicatif, c'est des verbes déclaratifs qui peuvent être groupés en trois catégories selon le ton de la voix, la relation qui existe entre les personnes qui parlent, mais également selon le mode ou le moyen de transmission employé. Ensuite, nous avons des verbes d'opinion, des verbes qui nous permettent de donner notre point de vue, de donner notre avis.
Ces verbes également employés dans une proposition principale, oui, la subordonnée impérativement sommée au mode indicatif. D'accord. Et pour le deuxième cas de figure, c'est des verbes structurés qui sont soit des verbes de volonté ou des verbes de sentiment. De sentiment, oui. Volonté, c'est une volonté qui est autoritaire parce qu'on impose, on ne donne pas l'opportunité à celui qui doit exécuter l'ordre de choisir. Oui. Dans l'autre cas de figure, c'est des verbes de suggestion où on donne l'opportunité à la personne qui doit exécuter une marge de manœuvre dans la façon d'exécuter la décision. D'accord. Ouais. Ensuite, nous avons des verbes, ou enfin les verbes de sentiment, qui sont des verbes dont le sentiment peut être positif ou le sentiment peut être négatif. Ouais. Le sentiment est positif comme aimer, adorer, tolérer, etc. Le sentiment est négatif quand on parle de détester, haïr, déplorer, ainsi de suite. Ouais. D'accord. C'est sommairement ce qu'il fallait d'abord dans un premier temps présenter pour permettre à l'élève d'avoir une vision un peu globale de ce qui devrait être réellement la concordance de temps. Qu'il doit savoir que quand on parle de concordance de temps, on doit faire en sorte pour que le sens de la phrase soit un sens correct, mais en tenant compte du temps et du mode employé dans la proposition principale comme dans la proposition subordonnée. Subordonnée. Oui, d'accord. C'est ça. C'est ça. Donc forcément, il faudra mettre ce qu'on appelle la conjugaison pour pouvoir admettre à faire cela. Bien sûr. Impérativement, l'élève doit avoir une bonne maîtrise de la conjugaison parce que le français, c'est une matière dont les leçons sont des leçons interdépendantes. Oui. Il n'y a pas une leçon qui peut aller sans l'appui d'une autre leçon. Oui. On ne peut pas s'intéresser à la grammaire sans s'intéresser à la conjugaison. On ne peut pas également s'intéresser à la conjugaison sans s'intéresser à l'orthographe. Et on ne peut pas s'intéresser à l'orthographe sans s'intéresser au vocabulaire. Ouais. C'est des choses qui vont de pair. Donc l'élève doit impérativement s'exercer, lire. Et je pense que la lecture, c'est la meilleure façon pour l'élève d'avoir, dans une même activité, ces différentes leçons. Oui. Parce qu'il va rencontrer des règles d'orthographe, des règles de grammaire, des règles de conjugaison, des règles de vocabulaire, ainsi de suite. D'accord. Et ça aide le lecteur à avoir un esprit ouvert, mais également à s'enrichir. Pour poursuivre, nous allons essayer de montrer, de donner des exemples pour ces types de verbes que nous avons employés, aussi bien pour les verbes déclaratifs, les verbes d'opinion, les verbes de volonté, comme les verbes de sentiment. D'accord. Oui. Et je pense que nous allons passer à la deuxième séquence. La deuxième séquence, c'est le tableau que j'ai présenté. Ici, la concordance de temps doit se faire au présent ou au passé. Au passé. Ouais. Si on le fait au présent, si on vient à la concordance de temps au présent, le verbe de la principale est employé au présent. Je dis qu'il vient. Ça peut être maintenant ou aujourd'hui. Oui. Ouais. Parce que l'action de dire et l'action de venir sont des actions qui se passent à un temps présent. Et le présent est réputé être le temps qui nous permet d'exprimer des actions ou des faits qui se passent au moment où nous parlons. Où nous parlons, d'accord. Ouais. Oui. Ensuite, on a j'affirme. Qu'elle sera là. Oui. Ça peut être demain, après-demain. Ouais, mais c'est dans le futur. Ici également, on a employé un temps présent, mode indicatif. Oui. Ouais. Oui. La subordonnée aussi est au mode indicatif. Indicatif. Comme on l'avait tantôt dit. Oui. Ensuite, nous avons, je précise qu'il est venu. C'est hier ou avant-hier. Oui. En tout cas, c'est un temps passé. Là également, on a un temps présent. Mais nous voyons que l'action de venir s'est déroulée bien avant. Bien avant. D'accord. L'action de préciser. D'accord. Ouais. L'action de préciser est une action présente. Présent. Mais l'action de venir s'est déroulée bien avant que l'action de préciser ne soit exprimée. D'accord. Ouais. Donc, c'est la concordance au présent, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Ensuite, ici, c'est des verbes déclaratifs. Nous allons prendre également, on a pris un verbe d'opinion pour également permettre de donner des exemples. On a je crois qu'il vient.
aujourd'hui, ou bien maintenant. Je crois qu'elle sera là, dans un futur proche, demain, après-demain. Je crois qu'il est venu, hier, avant-hier, ou peut-être l'année dernière. Et donc, quand on regarde, ici, on a une proposition principale. Et ici, on a des subordonnés. Et quand on regarde dans le groupe des subordonnés, on a toujours la principale, le mode indicatif, avec un temps présent. Également, dans la subordonnée, on a le mode indicatif, avec un temps présent, un temps futur, et ici, le passé composé. Le passé composé. Ouais. D'accord. C'est des temps, c'est un temps passé. Ouais. Cette concordance va nous permettre également au présent de voir à côté de ce, la concordance au passé. Et j'ai essayé de prendre les mêmes verbes pour permettre à l'élève toujours d'avoir une idée de ce qui s'est fait. Je disais qu'il venait. C'est la simultanéité. L'action de dire et l'action de venir, se passent au même moment. C'est des actions concomitantes. Donc, quand on regarde ici, c'est au passé. Je disais qu'il venait. Je disais qu'elle sera là. Qu'elle serait là. Le conditionnel. Je disais qu'il était venu. Ici, pour le conditionnel, c'est la postériorité. Ici, c'est l'antériorité. Et toujours, on a un temps passé, mode indicatif dans la principale, et toujours mode indicatif dans la subordonnée. Donc l'élève va veiller à cela. Je croyais, pour les verbes de pignon, qu'il venait, toujours simultanéité. Je croyais qu'il serait là, postériorité. Je croyais qu'il était venu, antériorité. Toujours on a, dans la principale, proposition principale, on a toujours le mode indicatif. Et dans la subordonnée, on a également toujours un mode indicatif. Ici, on a employé l'imparfait. Ça peut s'accorder avec également l'imparfait. Ça a un sens. Ça renvoie à la simultanéité. L'action de croire et l'action de venir, c'est deux actions qui se passent au même moment. Ici, également, on a la possibilité. Je croyais qu'elle serait là. Je croyais qu'il était venu. Donc, dans ces trois cas de figure, on a la présence d'un temps indicatif. C'est l'imparfait. Ici, c'est le plus que parfait. Si nous venons au verbe de volonté et au verbe de sentiment, nous voyons également que la concordance peut se faire au présent comme au passé. Au passé, d'accord. Pour la concordance au présent, nous avons le craindre et un verbe de sentiment. Je crains qu'il ne vienne. Pourquoi ici on a vienne au subjonctif? C'est parce que tout simplement, comme je l'avais tantôt dit, on a un verbe de sentiment. Et ici, le sentiment est un sentiment négatif. Donc, la présence du verbe de sentiment dans la principale impose l'emploi du mot subjonctif dans la subordonnée. D'accord. Ensuite, nous avons « je crains qu'elle soit là ». Ici, soit c'est le verbe « être » conjugué au subjonctif, présent. D'accord. Je crains qu'il soit venu. Qu'il soit venu, c'est conjugué au subjonctif plus que parfait. D'accord. Donc, c'est le verbe craindre qui impose l'utilisation du mode subjonctif dans la subordonnée. Et tous les verbes de sentiment imposent ou exigent l'emploi du mode subjonctif dans la subordonnée. Ici, on a un verbe de volonté. Je veux. Je veux qu'il vienne. Vouloir est un verbe de volonté. Donc, la subordonnée également doit se mettre au mode subjonctif. Parce que c'est ce qu'on avait dit précédemment.
D'accord. Je veux qu'elle soit là également, soit c'est conjugué au subjonctif, présent. Présent. Donc ici on a un temps indicatif avec un verbe de volonté, mais dans la subordonnée, la présence du verbe de volonté, même si il est employé à un temps, en mode indicatif, en temps simple, la subordonnée impérativement doit se mettre au mode subjonctif. Au mode subjonctif. Oui. Ouais. Ensuite, nous avons, ou enfin, nous avons la concordance au passé. Au passé. Au passé, j'ai repris encore le même verbe, craindre, qui est un verbe de sentiment. Oui. Je craignais qu'il ne vienne. Je craignais qu'il ne vienne. Craignait, c'est la proposition principale, employé au mode indicatif, plus précisément à l'imparfait. Mais la subordonnée se met au subjonctif imparfait. Et ici, je tiens à préciser que les élèves doivent faire très attention. Parce que la plupart du temps, lors des examens du BFM, on pose souvent, ou bien on demande souvent à l'élève de préciser le temps du verbe conjugué. Et il est souvent donné, on donne souvent aux élèves le subjonctif. Le subjonctif. Imparfait. Imparfait. Parce que le verbe venir, qu'il ne vint, au passé simple, on dit je vins, tu vins, il vint, nous vins, vous vins, ils vinrent. Ouais. Mais à la différence du passé simple, le subjonctif imparfait, la voyelle porte l'accent circonflexe. Oui. Alors que l'accent circonflexe ne vient pas au passé simple. Au passé. L'élève doit être très attentif. À défaut de pouvoir identifier le que ou le q apostrophe, l'élève doit être vigilant et regarder si la voyelle porte l'accent circonflexe ou pas. D'accord. Ouais. Ensuite, on a je craignais qu'il ne fût venu. On a également ici ce qu'on appelle le plus que parfait du subjonctif. Du subjonctif. Un temps passé, mode indicatif, dans la subordonnée, un temps passé. Mode subjonctif. Mode subjonctif. Ouais. Je voulais, verbe de volonté, toujours volonté. Qu'on emploie. Je voulais qu'il vienne. Simultanéité. Ici, on a imparfait du subjonctif. Ici, on a imparfait de l'indicatif. De l'indicatif. Mais ce qui a imposé l'emploi de l'imparfait du subjonctif, c'est quoi? Ici. C'est la présence du verbe de volonté. De volonté. Oui. Je voulais qu'il ne fût voulu. Plus qu'au parfait du subjonctif. Donc, de façon ramassée, voici une information ou bien des informations qui vont permettre à l'élève qui nous suit ou bien aux élèves qui nous suivent d'avoir une idée plus ou moins nette de la manière dont la concordance de temps doit se faire. C'est pas une leçon qui est exhaustive. On donne les grandes lignes pour permettre à l'élève d'avoir une présence d'esprit dans ce qu'il fait. Parce que nous, notre souhait, c'est quoi? C'est de permettre aux élèves de bien comprendre et de mieux comprendre. Oui. C'est ça notre souhait. Nous ne réclamons pas de prophétie, parce que en milieu intellectuel, quel que soit votre degré de connaissance, il y a toujours des gens qui savent mieux que vous, surtout ceux qui vous suivent. Et je suis très ouvert et je demande également à tout le monde et surtout à ceux qui dispensent des cours, aux professeurs qui ont peut-être des informations dont nous, on ne dispose pas, de veiller à ce que nous faisons pour au moins permettre au cours de s'améliorer et de permettre aux élèves d'en bénéficier. C'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui, M. Ngop. D'accord. Donc c'est ce que vous avez apporté aujourd'hui. Je crois bien que les apprenants ont bien compris l'explication de notre cher professeur Moussa Boyan. Donc par rapport aux élèves qui vous suivent, qu'est-ce que vous allez leur dire? Par rapport aux élèves, je le dirais tout simplement de ne pas désapprendre d'abord. Ils doivent savoir que l'éducation, c'est une activité intellectuelle qui nécessite à ce que l'élève ait une présence d'esprit et qu'il reste collé au document. Il doit lire ses leçons, même en dehors des cours. L'élève doit s'exercer à la lecture pour maintenir son niveau d'expression, aussi bien à l'oral comme à l'écrit. Parce que la lecture, c'est le moteur de la connaissance. D'accord.
on lit, on découvre des informations que peut-être on n'a jamais connues. Mm-hmm. La lecture nous permet de voyager. Oui. Beaucoup d'entre nous n'ont pas voyagé. Oui. Mais mm-hmm. aujourd'hui, beaucoup d'entre nous connaissent mm-hmm. certains pays à travers mm-hmm. les livres. On découvre des zones ou bien des pays mm-hmm. à travers la géographie, à travers l'histoire. Mm-hmm. On découvre les informations passées. Oui. Et cela, c'est l'histoire qui nous renseigne. Mm-hmm. Ouais. Comment cette histoire nous renseigne-t-elle? À travers tout simplement la lecture. La lecture. On n'a pas été là durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Oui. On n'a pas été là quand on a signé la SDN, mm-hmm. Société des Nations. Oui. On n'a pas été là quand on a signé à San Francisco le traité sur l'ONU. Oui. Ouais. Mais c'est des informations que nous avons obtenues grâce à la lecture. Ouais. Donc la lecture est le moteur de la connaissance. Et j'invite les élèves à se donner à fond mm-hmm. et à ne pas baisser les bras. D'accord. Oui. Mm-hmm. À vous les élèves qui suivent de ne pas baisser les bras et de lire à fond, ça vous permet de découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, professeur, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous remercier, je ne cesserai de le faire, mais également de remercier à l'ensemble de mes élèves et à l'ensemble des collègues mm-hmm. qui sont dans les différents établissements, mais également au directeur des différents établissements que je fréquente ou que j'ai fréquenté. Mm-hmm. Je veux citer le directeur M. Boundjéjou mm-hmm. et le directeur de la CPSAC, oui. CPSAC, M. Djouf, oui. Qui ne cessent de ménager des efforts pour nous booster et permettre la transmission de ces informations. Mm-hmm. Je salue également mes élèves oui. De la terminale, de la première, de la seconde, mais également ceux du moyen comme les élèves de la troisième. D'accord. Et par là également, vous allez me permettre de saluer ma famille, mm-hmm. Mon grand frère qui n'a jamais cessé de me conseiller, également de m'orienter, mm-hmm. M. Bodjan, Aruna Bodjan, oui. C'est un agent de la DPV à la direction de la protection des végétaux. Il travaille au port, oui. Mais il est à la retraite. Mm-hmm. Et je le salue au passage avec sa famille. Mm-hmm. Je salue également mon frère et tous ceux qui me connaîtront à travers ce petit écran. D'accord. Merci à vous. Ok, merci beaucoup. Nous aussi, nous passons nos salutations à l'ensemble encore du personnel de la RMB TV, à ceux qui nous suivent, à nos camarades aussi qui nous représentent dans les régions et qui vont essayer de prendre ce lien pour le transmettre aux élèves qui sont dans ces classes. Nous remercions aussi tout un chacun des membres de notre famille et nos partenaires. Nous remercions l'ensemble des professeurs qui étaient au moins présents ici pour apporter leur pied à l'édifice, sans oublier l'éminent professeur M. Bonian, toujours disponible pour cette éducation. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, avec un autre professeur et une autre matière. Yann Diouf, merci beaucoup.